Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi, ça fait trois fois que j'essaye d'enregistrer, parce que beaucoup de choses se passent actuellement dans ma vie, hein, notamment des interruptions dans la vie de tous les jours, mais bienvenue dans Apollo Justice, et cette année qui est un petit peu différent pour cette affaire précise, car si vous aviez vu l'épisode précédent, qui était très court, Monsieur Gavin a été un petit peu perturbé par un détail de l'enquête pendant le procès qui l'a fait tiquer. Et il s'est dit, mais je connais ça, je m'en souviens, je sais ce qui s'est passé, c'est à Monsieur Wright, et c'était durant sa dernière affaire où nous le savons depuis le début, c'était l'affaire où il a utilisé une fausse preuve. Et là, nous jouons donc un souvenir de gamin dans le passé où nous allons actuellement jouer Phoenix Wright, comprendre ce qui s'est passé durant cette affaire afin d'avoir un peu plus de lumière dessus. En espérant avoir été clair. Et donc nous sommes avec Phoenix Wright et si jamais je peux utiliser le Magatana, je réutilise mon effet. Alors, Monsieur Nigmar, que je suppose être Zachary Grimoire. Zachary Grimoire, le père de... J'ai oublié son nom, c'est génial, vu que ça fait un moment que je n'ai pas joué. Mais je suppose que c'est son père. Et je le sais parce que j'ai dû couper 10 minutes plus tard, pour diverses raisons. Grand inventeur de cartes. Et il porte un petit insigne de pique ou le trèfle, non trèfle, oula, trèfle sur sa cape et c'est ça donne ma foi un certain style et c'est la vérité, allez je m'en souviens, la petite vérité Enigmar et en je pense qu'en énigme ça fait Rangine, voilà, je pense que c'était important de savoir ce détail. Rangine. Alors, je ne suis pas très ancien, je suis encore jeune, hein, j'ai pas une barbe, comme vous le voyez, monsieur. Respectez-moi, s'il vous plaît, ma crédibilité, je vous en prie. Oh, l'ancien, tout de suite l'ancien, mais foutez-moi la paix. D'accord, qu'est-ce que c'est? Alors, l'horloge du destin me fait attendre une heure de plus, et ça aussi, c'est encore des minutes de trop. Bien sûr, de ceux qui ont soutenu mon œuvre au fil des années. Adieu, Melchior Grimoire. Ok, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Je viens de toute ma théorie que je n'ai pensé et que j'ai sûrement dit tombe à l'eau. Monsieur Nigmar n'a rien à voir avec vérité, je pense. À part que c'est son père, mais du coup, Melchior Grimoire. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'était une des personnes du groupe Grimoire, le célèbre groupe de magiciens dont nous avons entendu parler il y a quelques épisodes? Peut-être. Comment je me sens? Tendu. Ah bah, oui, c'est mon boulot. Ne vous en faites pas. Ah, procureur, voilà. Introduction de Monsieur Gavin. Lequel? Je pense pas que c'était le jeune gamin. Mais plutôt l'ancien, enfin le grand frère. C'est comme ça que ça marche. Oui monsieur, qui passe? D'accord. Ils ne pourront pas. Très bien, Ah oui t'es... Ah bah non. Je comprends pas. Donc toi, t'es au-dessus de tout le monde. Bon, tant pis. J'ai envie de dire que on a un petit peu l'habitude. Alors, Enzo Enigmar. Ok, plus connu sur le... Ah, Voilà, c'est un surnom. Enfin, nom de scène.
choisir extrêmement bien à travers votre grimoire. Ok, jusqu'à ça, non. Melchior Grimoire, c'est son mentor et donc la personne qui a écrit cette page. Et il est mort. Ok, pourquoi pas. Zachary est considéré comme le suspect. La jalousie. Ta gueule, Google. Ferme ta gueule. J'ai Google avec moi, je vais tout de suite l'éteindre. Navré. Si jamais tu as été surpris, tu peux dire ta gueule Google. Alors, l'essence ouverte. Ah non, c'est vraiment le jeune gamin. C'est le jeune gamin. C'est oui. Ça tue l'ambiance. Oh, c'est du savais. Oula. Donc là, il est en train de me dire qu'il était star et il s'est dit hey, j'ai une idée, je vais devenir procureur. Comme ça, ça va être beaucoup plus mieux pour ma carrière. Conrad. Je suis en train de me perdre dans les noms. C'est horrible en fait. Christophe. Oui, c'est bon. J'ai le mot. Christophe, le grand frère. Conrad, c'est lui. Ok. Ah bah oui. Un petit peu quand même. Oula. Oula, je sens que Monsieur Wright a pris la grosse tête et il... Très fort, très fort, très très fort. Ouais, il m'appelle Mr. Wright et pas... Hey, salut, connard de... Porky-Pic. Hey, t'es un connard de Porky-Pic, toi. Hein? Allez, avoue que t'es un connard de Porky-Pic. Oh, vas-y. Ah, oh, spectre détective. S'il tire vraiment, je rigole. Parce qu'il est vraiment capable de tirer. Cette personne. Oula, il est pas content. Je m'appelle Upbeat Detective. Là, ça faisait longtemps. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que j'ai fait? D'habitude, il est pas sûr. Mais maintenant, il est sûr et certain. Et peut-être que la certitude va le faire gagner. Peut-être. Écoutez. Alors, le pré-interrogatoire. Alors, 6 jours, une chambre, centre hospitalier. Hospitalier. Alors, même petite photo. C'est beau, il reste pro, même dans les pires moments. C'est la scène du crime. Ok. La victime était patiente, dormie. Ok, l'assassinat est entré. Lui a collé un pistolet sur le front et. PAN! Ok. Très belle photo. Plus j'aime la photo. Et c'est tout. C'est... Waouh. Rapide. Waouh. Très belle, très beau croquis. Magnifique. Alors, je suis sûr que même les jeunes connaissent mieux. Ah bah oui, quand même. S'il vous plaît. Oh. Une tumeur maligne. Oui, un cancer, oui. C'est... Un cancer, oui. Je vais aller le regarder. De ce pas. Alors, diagnostic, sur la ligne, 3 mois à vivre. Alors, 67 ans. Et ben, quand même, il était pas si vieux. Sur la ligne, en dernière phase, en sport de guérison. Patient 3 mois à vivre, souffre de diabète chronique et doit s'injecter de l'insuline. Ah, oh. Et même autre chose. Alors,
on a une arme factice sûrement. Et t'es en train d'écrire, il y a une page déchirée. Un bonnet, c'est beau le bonnet. Une seringue. Un truc rouge, un point rouge. Juste derrière qui me fait penser à quelque chose. J'arrive pas à voir quoi. Un produit vert. Des stylos. Et la poupée qui a, on dirait, un trou dans le front aussi. Ce qui est étrange. Bon, cause du décès, une balle estimée. Le 13 avril, entre 23h30. Hémorragie. Tueur en ligne, trouvé dans le foie. Ok, et la feuille. Bah, simple, simple, oui, mais... Eh, c'est bien beau de dire simple. Oui, trop moi, pourquoi pas. Et c'est une très très bonne question. Pourquoi le tuer alors que... Eh, le cancer, finalement. Ça, c'est une... Ouais. Du plomb. On est d'accord sur le plomb, t'es vraiment sûr de ça? Le plomb! Alors autant vous dire que le plomb, déjà de base, c'est pas hyper. C'est pas sûr que ce soit une bonne chose. Aucun signe d'utilisation. Ah! Je voudrais zoomer quand même. Oui, elle a encore. Donc ça, c'est le capuchon qui. Celle toutes les seringues, d'ailleurs c'est obligatoire. Est-ce que le petit... Oh, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une seringue, oui. Je dois l'expliquer quasiment quotidiennement. Jamais j'arriverai à faire ça. Tu m'étonnes. Étrange réflexion. Je ne sais pas. J'aimerais le savoir. La mort. Sûrement. Ah, contre-interrogatoire, s'il vous plaît. Alors, c'était la sa victime qui a demandé. Oui. Comment? On est sûr de ça? Tu m'as l'air bien sûr. Ah, je veux bien la lettre. Alors, mon cher Zachary, c'est avec toi que je confie la tâche de... J'ai pas fini de lire. Merci de ne pas me laisser finir. Très sympa à vous. Très sympa. Du coup, je vais la lire quand même. Document. Alors, à mon cher Hélène Zachary, c'est avec toi que je confie la tâche de baisser le rideau de ma vie. Viens le 13 à 23h05. J'aurai chargé le pistolet, tu tires une balle en plein front. Tu ne peux pas me le refuser. Et nous savons tous. Nous savons tous le pourquoi. Melchior Grimoire. Et il y a un joli petit dessin qui ressemble soit à un kanji, soit à un chapeau et une tête de quelque chose. Bref. Alors, vous voyez, cependant, il y a un truc qui... J'aimerais faire une analyse graphologique. J'aimerais faire une analyse graphologique parce que je suis pas certain. La fin de la lettre, c'était notre secret. Et là, je pourrais faire toutes les blagues du monde sur nous sommes homosexuels, nous nous aimons, et j'emporte ce secret dans ma tombe, mais je ne le ferai pas, parce que c'est un sujet que je ne connais pas. C'est simple que ça.
Oh le diable, oh oui. Ah, chaque soir, une demi-heure à partir de 3h, ok. La victime était perfusée. Et donc, par ce joli liquide tout vert, et là j'ai plus les traits dégueulasses, donc du coup ce que je prends pour un point rouge, c'est en fait un système médical somme toute classique. Réponds à une question. Oui, d'accord. Bon, bah... Eh bien, écoutez. Ah bah, il aurait pu. Mais il ne l'a pas fait. Et donc, du coup... Eh bien, écoute... J'y crois moyen. J'y crois pas vraiment. Je suis pas sûr. Il me faudra un peu plus de preuves. Ouais, on a cette lettre. Oui, lettre signée. Tu tires une balle dans la front. Mais c'est que tu me réponds. Mais tu me réponds. Ah bah oui, mais ça personne me l'a donné. Trace de poudre, ok. Ok, il a servi. Et donc. Oh tout de suite, hein. Moi, je serais tenté de dire qu'il a tiré sur autre chose. Et je le pense vraiment, parce que cette poupée me taraude l'esprit. Moi je suis sûr que c'est ça et c'est faux. Ça me taraude l'esprit, je vous assure. Dis donc, le jeune, tu vas te calmer. Mais regarde bien cette photo, je vais te le dire. Eh oui, je vais te le dire, mon madame. Mais je vais vous le dire, il a tiré là. Ça me perturbe depuis 5 minutes. Exactement. Ouais. Objection. Mais il va content le jeune. Ah bah non. Il a mis une balle dans le front. Sac. Il comprend vite, hein. Il comprend très très vite. Et bah c'était rapide, hein. C'était fou. Objection. Tous mal à cœur. Objection. Ah bah si. Oulala. Et pendant les dents. Allez. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est une blague. Alors, sûrement. Go, faudrait que je revienne. Alors.
Alors oui, mais admettons que la balle a été tirée, une balle a été tirée du pistolet, une balle A, et donc admettons que Zachary a tiré la balle A avec une avec cette arme là sur le front du clown. Le tueur aurait donc pris cette même arme pour tuer une balle B dans le front de la victime. Faudrait comparer les balles, du coup. Et merde! Ah non, c'est juste la balle tirée, pardon. Et il est content. Et on lui dit oui. Et il est content. Alors ça c'est un peu gros. Ça c'est un petit peu gros. C'est parce qu'il était posé devant, c'est ça? C'est un tour de magie? C'est un tour de magie. Oh la madame, c'est qui? Oui. 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 Connaissez-vous le principe de magie, monsieur détective? Ah bah les mots malheurs, mais ne refaites pas ça. Ne refaites pas ça les enfants. Ah, on leur a dit que c'était pas la même chose. Ah bah tu m'étonnes. Ah, c'est pas trop tôt. Enfin. Ah. Zut. Il vient de se vendre. Tu viens de te vendre. Tu t'es vendu. Trouduc. Sac à caca. Ah bah écoute, là c'est terminé. Voilà, allez, non, c'est terminé, c'est bon. Tu es nul. Nul. Objection. Nul. Alors là, tu t'es mis vendu tout seul. Réfléchis. Oui. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Tu as de le dire. Ah oui, mais c'était il y a une minute, s'il vous plaît. Voilà. On réfléchit. On réfléchit. Et prends dans les dents. Oh, oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'aujourd'hui, t'es vraiment en super forme, hein, c'est... Tu sais comment ça se recharge, ce genre de pistolet? C'est quand même assez précis. Hein? Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Où sont les preuves? Où... Monsieur, s'il vous plaît. Il est arrogant, mais ça me plaît pas du tout. Oh là là. J'attends. Nous marquons une pause. Et là, c'est la pause.
Ouais, parce que y a des choses qu'on m'a pas dit, hein. On m'a dit des choses, et c'est tout. Et bah, c'est tout. On enchaîne beaucoup de petits épisodes en ce moment. Et pas des épisodes, hein. J'essaye d'arrêter de faire ces liaisons nulles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc un truc qui est simple au premier abord, mais ultra simple. Là, vous l'avez vu avec moi, le truc est ultra simple. Ça fait à peine une demi-heure, moins d'une demi-heure. Mais on vient de me dire, hé, c'est que l'échauffement, tu vas voir après. Là, après, ça va être rocambolesque, mon truc qui va être incroyable, tu vas voir. Ça va être ouf gun, hein, mon pote. Et là, j'ai peur. Et là, j'ai peur pourquoi? Parce que tout va être construit sur une fausse preuve. J'attends de savoir laquelle, je vais essayer de deviner laquelle. Si vous savez laquelle et que vous l'avez vue, je vous invite à le dire en commentaire. De toute façon, je pense que je vais faire la suite juste après. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette affaire jusqu'au bout, en espérant que ça vous ait plu, d'avoir un petit peu de Think Right dans votre vie. Comme d'habitude, pour ne pas rater la suite, évidemment, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu. Je fais autre chose aussi sur la chaîne que je vous invite à regarder. Il y a Twitter aussi, où je suis présent, où je parle un petit peu, je partage des trucs, tout ça. Et je dis l'avancement des petits projets qui se passent. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Apollo Justice Ace Attorney.